nous rencontrons justement plusieurs des artistes qui ont exposé dans cette exposition. C'est une façon d'essayer de comprendre chaque artiste dans son milieu, dans sa création, dans la versatilité de sa composition. Et des artistes qui, comme vous pouvez le voir d'après leur œuvre, qui est d'une diversité incroyable, des artistes qui sont des artistes contemporains, bien sûr, mais qui sont de milieux complètement différents, d'un vécu différent, d'expressions différentes et utilisant des médiums complètement différents les uns des autres. C'est cette rencontre qui nous plaît aujourd'hui de montrer au public et à nous-mêmes, parce que nous sommes en train d'apprendre énormément de ces artistes chaque jour, de comment ils se voient dans l'équation haïtienne et dans l'équation artistique mondiale, contemporaine, comment ils perçoivent leur art dans ce pays qu'est Haïti, dans cette globalisation également, qui nous touche ici et qui permet, dans un certain sens, pour eux, qui permet un rêve, qui leur permet de s'exprimer et de rêver d'un avenir brillant, d'artistes qui ne sortent pas toujours de milieux très favorisés, mais qui, à travers leur art, permettent d'exprimer non seulement ce qu'ils ressentent comme haïtiens, mais ce dont ils rêvent pour eux et pour le pays. C'est une rencontre assez particulière, extrêmement enrichissante, qui va nous permettre, à nous aussi, qui sommes en train d'élaborer différentes façons de montrer au pays, aux jeunes de ce pays, et également au monde entier, toute l'expression haïtienne, toute la richesse de l'expression haïtienne. Pour les particularités artistiques, je laisserai à Mme Frisch le soin de présenter cette rencontre. Mais à mon avis, au niveau du ministère de la Culture, je pense que nous allons encourager énormément ce genre d'activité pour pouvoir entendre davantage les artistes, pour pouvoir comprendre davantage les artistes, leur desiderata, la problématique du milieu dans lequel ils vivent, les difficultés qu'ils rencontrent au jour le jour pour exprimer leur art et comment les aider, comment les épauler, comment les présenter à nous-mêmes, à notre société, pour pouvoir les épauler, et comment les présenter au monde comme l'expression d'une société haïtienne qui est vibrante, qui est unique, qui est riche, et que nous ne voulons pas simplement garder pour nous-mêmes, que nous voulons présenter vraiment de manière extraordinaire au monde. Cette activité, elle a débuté, ça fait déjà plus d'un mois. Cette exposition a été inaugurée à l'occasion de la visite des ministres de la Culture des Amériques. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, c'est plus un bilan. Nous avons une causerie avec les artistes que j'ai pensé qu'il était important d'organiser pour connaître exactement leur point de vue sur cette exposition, leur expérience et la façon dont ils ont apprécié de travailler ensemble, parce que, comme le nom de l'exposition dit, c'est une rencontre. Ça a été une rencontre avec des artistes qui, beaucoup d'entre eux, ne se connaissaient pas. Ce sont des artistes de milieux différents. Il y en a qui habitent dans des pays différents, parce qu'il y a surtout des artistes haïtiens. Il y en a qui habitent au Canada, qui habitent à Miami, qui habitent à Jacmel, à Port-au-Prince. Il y a des artistes de Noir, des artistes de Aqua des Bouquets. Donc, c'était important de mettre justement tous ces artistes qui travaillent aussi dans des médiums totalement différents. Comme vous voyez, à la peinture, ici, vous avez la pierre. Il y a la sculpture, il y a les fers découpés, il y a les objets pailletés. Donc, c'était de les mettre ensemble et de voir comment ils se voyaient eux-mêmes en tant qu'artistes contemporains haïtiens. Et c'est justement ce dont on a discuté ce matin. Donc, je pense que c'est une causerie extrêmement importante. Il y a longtemps que nous n'avons pas eu des causeries, on n'a pas eu des artistes ensemble pour pouvoir débattre de ce qu'ils vivent tous les jours en tant qu'artistes en Haïti. Donc, pour nous, c'est extrêmement important, pas de conclure l'exposition parce qu'elle n'est pas encore, enfin on a encore l'exposition jusqu'à la fin du mois, on va essayer de la prolonger encore peut-être jusqu'au 15 octobre parce que nous avons beaucoup de demandes, nous avons beaucoup de visiteurs et je pense qu'après cette causerie on va avoir encore beaucoup de gens intéressés à venir voir cette exposition. D'ailleurs
J'invite le grand public à venir voir cette exposition qui, je pense, est extrêmement importante. Quand c'est la première exposition d'art contemporain que nous avons eue, si vous voulez, après le 12 janvier. Et on voit une peinture haïtienne, un art haïtien qui émerge, qui est totalement différent de ce qu'on connaissait. Donc, c'est ça, si vous voulez, cette exposition.